On y va. Alors, en effet, c'est la même map qu'il y avait avant, avec le Panthéon dehors. Oui. Écoute, on va direct passer par ici. On va se faire un trou dans le mur et on va rentrer, voilà. J'aime bien, en fait, les unités romaines dans ce DLC, honnêtement. Honnêtement, ça me plaît quand même. Moi, j'aime bien les. Je sais pas, il y a plein de gens sur Steam, sur le truc Steam, qui se sont plaints des tes cartes d'unité. Bon, excusez-moi pour les hein, c'est pour les textures, hein, mais je j'ai pas un PC assez puissant pour streamer et mettre au max en même temps. Ça, vous le savez bien, je suis un peu pauvre. Mais les cartes d'unité, je les aime bien, hein, pour revenir à ça. Hein. Franchement. Après, bon, les gens qui se plaignent sur Steam aussi, quoi. Voilà, t'envoies des choses, des fois, tu te dis merde, mais maigre. Mec, t'es fou, quoi. T'es fou, toi. Mais il est fou, le monsieur. Ça me fait toujours marrer, les mecs qui critiquent, qui font un commentaire sur le jeu, alors qu'ils ont joué que 2 heures. Ou alors des gars qui ont... Alors, c'est le contraire, c'est aussi la mauvaise foi sur Steam. T'as des mecs qui disent c'est tellement mauvais et tout, mais c'est pas très construit, tu vois, ils le disent vraiment, genre c'est de la merde. Par contre, ils ont joué 200 heures dessus, tu vois. Oh là là, les IA, mais fermez pas, quoi. Moi, j'ai fait une seule évaluation sur Steam, c'est pour Bioshock, la remaster. Donc, du coup, on dirait que j'ai pas fait beaucoup d'heures dessus, parce que moi, j'ai joué à l'original quand il est sorti, en 2006, en 2009. Il est sorti quand Bioshock, il est sorti en 2007 ou en 2008. 2009, je sais que c'est un truc avec un 9, donc c'est pas 6. Il est pas sorti en 2006. Waouh. Beaucoup de gens étaient encore à la maternelle. Et donc voilà, mais moi j'ai fait une évaluation sur le jeu parce que sur la version remaster, il y a beaucoup de gens qui se plaignaient que la remaster elle buguait et tout. Alors qu'elle marche très bien. C'est juste des gens en fait qui n'avaient pas fait mis à jour leur driver, quoi. Sur cette mauvaise foi, hein, constante quand même des certains joueurs. Voilà, bon moi maintenant hein, je vais attendre qu'il y ait un trou dans le mur. Pourquoi j'ai des échelles, je suis con. C'est des frondeurs qu'ils ont en plus. Allez, la prise de Rome. Il ressemble aussi à cette partie-là. Ah non, Attila, elle ressemble aussi à ça, d'accord. Qu'est-ce qu'il y a que Max? Ah, si tu te fais chier, Max, tu peux te tirer aussi, hein. Merci, quoi. Putain. C'est pas très sympa, ça. Montre Max, j'ai pas pour habitude de te voir aussi pénible dans le commentaire. Hein. Max, c'est pas grave. Si t'es fatigué, va dormir. Non, mais Max, il déconne, c'est pas grave. Bon, en fait, ça me fait chier parce que je sais pas pourquoi, mais les mecs ils tirent vraiment au-dessus, quoi, là, depuis tout à l'heure. J'ai l'impression que par contre les murs se détruisent plus rapidement, ça c'est peut-être une impression. Alors, mes tirailleurs, on va quand même un peu tirer un peu sur leur frondeur d'abord. Mais t'as vu, leurs unités en fait elles se cachent, alors peut-être c'est sur une colline, tu vois quand même les mecs, quoi. C'est trop bizarre. Allez, ah, j'aimerais bien qu'ils meurent tous ces légionnaires là. Ces légionnaires, non, c'est conscrit. Mais y a des mecs qui tombent vraiment en fait. Non, il y a des bugs. Ah putain, c'est horrible, on aurait pu la défoncer là, hein. C'est vraiment des bigleux, mais les mecs qui contrôlent ça. Hein. C'est facile, il suffit de tirer au même endroit, hein. Il faut arrêter d'être con 2 minutes. Hein. Oulala. Voilà, très bien. Ça c'est bien ça. Donc les murs ont cédé. Donc moi je vais me placer plus vers là, je vais rentrer par ce mur ici, avec mes hommes. On va éviter de tirer peut-être pendant ce moment-là. Hop là. On va se mettre là. Du coup, on va déplacer l'armée là. Les hacheurs, donc il y en a qui sont sur les échelles, donc c'est eux. Ok, on va faire avancer les légionnaires. Puis on va surtout tirer sur leur frondeur. Allez, on fait les positions romaines classiques. Je vais commencer à les harceler un peu leur frondeur là-devant.
Ah, ils sont où les frondeurs? Ah, c'est vrai qu'ils se cachent. Quelle merde. Il y a qui laisse ses hommes, bah oui. Mais sinon, normalement, ils les laissent pas, justement. Et c'est pour ça que je me disais, merde, il faut absolument qu'on tire. Alors, leurs frondeurs, ils sont là. Oui, on pourrait tirer encore avec la balise sur leurs unités, mais. Bon, les tours, je m'en fous. Ça va être un peu. C'est un peu compliqué, hein. Peut-être si on peut tirer ici. Je sais pas. Ah, c'est les chasseurs, oui, ils ont plus de portée. C'est vrai que c'est pour ça que j'ai pris ces mecs-là, ils ont beaucoup plus de portée. Ok, hop. On y va. Alors, apparemment, c'est pas ce que je voulais faire avec le nagre, mais bon. Je voulais testouiller un truc, s'il allait tirer comme ça. En vrai, ça marche, hein. En vrai, ça marche, mais c'est juste que l'IA s'est pas visé avec les onags, quoi. Ils ont plus de portée, les archers germaniques. Alors, hop là, on va bloquer cette formation. Ah non, il s'est... Mais franchement pas tiré le nagre, là. Moi, j'essaie vraiment de focus leur frondeur. Et apparemment, ils ont eu quelques pertes. Ils savent pas où ils veulent aller, les mecs. Hein. Hop, on va faire avancer ces mecs-là aussi par la suite. Allez. Ouais, enfin pourquoi pas, mais là, c'est plus son intelligence, lol. Oui. Après, moi, je suis pas en difficile non plus. Je suis en normal, on va dire. Je suis en normal. Putain, ils ont perdu pas mal de trucs. On continue à les harceler comme il faut. Et ici, on débarque sur les murs, comme ça, on sera déjà à l'intérieur. Mes hacheurs gaulois qui ont un beau bouclier. Par contre, le bouclier, il est bien, bien texturé, étonnamment. Et on va faire avancer l'armée. On va se prendre des tirs de javelot, c'est ça qui est chiant, donc on va vraiment focuser leurs javelots qui sont là-haut. Merde, pourquoi ils me laissent pas... Ah oui, ils sont cachés. Oui, les mecs, ils se cachent, c'est très bien. Voilà, comme ça, je peux faire avancer tout le monde. Cavalerie prétorienne. Ah merde, je peux même pas tirer, ça me saoule. Ah putain, ils se cachent et ils tirent direct après, c'est tellement injuste. Alors que toi, tu les vois pas pendant 3 milliards d'années. Ah d'accord, il vient carrément là. Ok, là c'est fini, on va les faire descendre. Hop là, j'ai encore des hacheurs ici, ils sont là. Ok. On les a bien défoncés. Hop, on va se mettre comme ça. Comme ça, on les accueille à la sortie du métro. Parce que maintenant, ils vont mourir, ils sont pas assez nombreux. Et c'est tout ce qui reste dans leur ville, hein. Je pense qu'ils ont encore les onags sur les murs, d'ailleurs, ils les ont pas bien placés là. Ils font bien le taf quand même. Unités a utilisé toutes ces munitions. Ils font bien le café. Hein. Il faudrait qu'on capture les portes. Parce que mes projectiles, ils ont morflé à mort. Ils sont presque morts là déjà, putain. Ouais, capturons les portes avec les hacheurs. Non, on va aller avec tout le monde là-bas. Hop là. On va le faire rentrer. En fait, ils restent vraiment sur les murs, ils descendent pas, quoi. C'est quoi ces mecs? Ils ont pas honte. Bon, là, on va vite capturer. Hein. Ah, bah si, voilà. Alors, on va se faire se battre un peu les légionnaires aussi. Une de nos unités a utilisé toutes ses munitions. Pas grave.
Voilà, et puis ça tire des piloums direct à la sortie. Ah, ça c'est bien ça. Ça on aime voir ça. Oh putain. La vache. On les a vraiment attendus à la sortie du métro. Hein. Oh là là là. Oh, oh ça on aime. Par contre, bon, on fait du TK, du coup, ouais, regardez. Ah non, c'est bon, j'ai rien dit. Oui, ceux derrière tirez pas, hein, par contre. Hein. Hop là. J'ai confondu l'unité, mais au fait. Hop. Seulement eux, pour l'instant. Oh là 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 là. Les pauvres. Une de nos unités a utilisé toutes ses munitions. Mais ils ont presque plus de munitions. Allez, on va les faire charger. Voilà, ouais. C'est gagné. Bon, et c'est tout, je pense, parce que leur général, il était pas là ou j'ai rêvé. Attendez, on va envoyer le mec en éclaireur. Parce que j'ai pas envie d'aller maintenant jusqu'au temple là-bas. Ça va me faire chier, ça. Ça casse les couilles les unités qui se cachent alors que tu trouves à 10 mètres et elles vont défoncer les unités vitesse grand V. Bah oui, parce qu'au fait, normalement, sur les murs, tu les vois, les unités. Et c'est bizarre. Ah. Merde, il y a un gros général dans la ville. C'est vrai, tu fais le mort là. Tiens, tu vois un Romain qui se cache derrière le drapeau ici. Nous avons capturé une tour. C'est bien. Bon, il est où le général? On va l'envoyer en éclaireur lui. Oh, mais ça va être pénible. Kill là-bas. Oh. Bon, ben légionnaire. Mes petits légionnaires. Voilà, juste eux. Mais c'est très bien. De toute façon, on n'a plus de munitions avec les archers, donc on va avancer dans Rome victorieux. Hein. On avait déjà vu cette bataille avec Rome contre. Quand je jouais avec Bélissère, non? Que ça se passait bien. On n'a même pas besoin des hacheurs, même s'ils peuvent se déplacer. Ah putain, il y a la tour là de merde. Qui va nous tirer dessus. En vrai, il serait bien mal de les capturer du coup. Bon, ils ont des onags sur les murs, ça on s'en fout. On avait essayé de faire une bataille en multi une fois avec les membres de Planet Total War sur Rome. C'était l'horreur, le jeu il a craché quoi. Craché ses poumons. C'est presque impossible de faire une grosse bataille en multi. Genre avec plusieurs joueurs, tu vois. C'était. 3 contre 3 je crois. Automobile du bus. Prise de Rome avec Hannibal m'avait marqué, c'était symbolique. C'est avec Hannibal, oui, avec Hannibal aussi. On a pris Rome de 3 milliards de fois. Non, normalement, ils sont toujours là-bas les mecs, hein, d'habitude. On va bien voir. On fait courir les gens. Voilà, comme ça ici, ça c'est fait. Bon, on va faire ça, de toute façon, en rapide, ça marche bien. Ils ont fait beaucoup de kills, hein, les archers, là. Hein. Nous avons capturé une tour. J'ai bien fait d'avoir pris les archers germaniques. Hein. Franchement, je suis pas mécontent. Alors, allons voir s'il est là-bas. Mais c'est chiant, parce que cette ville est gigantesque. Et ici, tu peux vraiment aller partout, hein. C'est pas comme dans Warhammer, où tu vois seulement l'entrée, quoi. Ici il n'y a personne. Il est où le clochard? Ah il est là. Ah ils sont là. Ah d'accord. Oh là, ils rush. Ils ont vu le général du coup. Mais elle court du coup. Il me fait marrer, cette cave elle me fait tellement marrer. Tu cliques deux fois, il court pas. Et tu lui dis d'aller acheter du pain, le mec qui court sa race quoi. Allez, on va faire ça comme ça. Ah! Pas la bonne formation. Donc ils ont que des lanciers là, ça va être facile. Et des corses. On va essayer de contourner avec Aurélien qui va être victorieux. Alors.
Normalement, c'est les pauvres qui vont devant, donc c'est les conscrits qui vont aller devant. C'est comme ça, hein, en plus. Voilà. Et derrière, tu as les vrais légionnaires, tu vois. Les vrais gros, quoi. Comme ça. Voilà. Et ceux qui sont en mode clodo, vous restez là. Vous êtes la réserve. La réserva. Voilà, ils sont de nouveau là. Bah, Rome, c'est bien vide, hein. Très bien, on est prêt là. Eux, c'est bon, ils ont le tir du piloum. Parce que en face, ils n'ont pas de piloum. C'est bon là. Kéblo la formation. On kéblo la formation. Et on y va. Alors. Je sais même pas s'il peut faire des tortues, leur lancier. Ça, c'est que des vigiles, hein, de merde. C'est des vigiles. Et on y est à Rome. Alors Aurélien, lui, il est plus agressif que Hannibal. Il va faire un contournement. Il va pas se contenter de venir avec son éléphant. Et là, on va tirer des piloums. On n'est peut-être pas à portée, je pense. Non, je pense qu'on n'est pas à portée. Et ils font un mur. Ils ont une formation de mur. Je sais pas. Non, ils peuvent seulement faire le carré. Eux. Ils peuvent seulement faire le carré. Ah là, ils vont rusher. Ah, ils ont des... Non, c'est le général. Ah là, ça y va. Hein. Ouh là là, il a grossière erreur de se retourner. Ah, bah, bien évidemment, on se prend aussi des pilous. Mais c'est la guerre, hein, c'est comme ça. Une de nos unités a utilisé toutes ses munitions. Putain, il sait que le truc est derrière, du coup, il lance pas ses mecs. Oh, le chien. Si, voilà. Il va lancer des mecs, là. Hop. Voilà, maintenant ça va se bagarrer, ça va se bastonner. Et nous on va faire une charge. Voilà. Et eux. Hop. Ah putain, il vient quand même là. Hein. Ah, le chien il protège ses arrières. Après, tu peux pas dire que l'IA non plus, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? MDA, ils ont changé les. Le bout, tu devrais faire champ. Je crois que le reste des ennemis sur la muraille posé. Non, c'est bizarre parce qu'en fait, t'es plus modo, Minou. Qu'est-ce qui se passe? What? Ah, voilà, c'est revenu. C'est bizarre. Il y a quelqu'un qui s'amuse à enlever et retirer le pseudo sur moi. Alors, celui qui fait ça, s'il m'entend, voilà. Il est modo, Minou. Donc, arrête de faire chier, mec. Je sais pas qui c'est, hein, qui a de nouveau, qui joue de nouveau là avec le truc. On a donné trop de droits à trop de gens sur cette chaîne Twitch. Alors naturellement, ils étaient très puissants cette cohorte, mais maintenant je vais faire mes charges. Donc positionnons-nous. Et est-ce qu'on peut toucher ce mec? Ouais. On y va. Et donc du coup, je vais cri de guerre. Et on y va! Tiens dans ta gueule! Ouh là là là, ça a morflé sec! Hein. Et on recule. Ah là, il a pris. J'ai pas besoin de faire le truc, mais voilà, ils ont fui tout seul. Et Rome est à nous. Parfait. Champignon avec son. Oui, ça, je l'ai déjà lu, d'accord, ok. C'est comme dans Attila, ils vont fuir automatiquement, mais je dis que ça. Je connais pas les mécaniques de route. Oui, bah oui, ça, c'est toujours comme ça, les charges par derrière, de toute façon. Tu que. Ah, mais peut-être que c'est Twitch qui bug. Vous m'entendez sur Twitch encore, toujours? Ah non, ça a l'air d'aller. Non, parce que du coup, vu que t'as perdu ta modération, Minou, je pensais que c'était un bug de Twitch. Donc voilà, on capture Rome. Et on a chopé Rome. Du coup, ça va peut-être débloquer le reste de l'histoire. Et les mecs, ils ont construit un vieux truc de merde qui va me coûter 2000 balles à détruire. Un truc de miatraïque, mes couilles. Ça fait quoi comme business? Ça rage de l'hygiène, la nourriture. Non, l'industrie, bon, regardez ça. Par contre, ils ont un truc de vigilance urbain, c'est bien. Et ils ont déjà l'amphithéâtre, bon, ça c'est normal. Le reste est très bien. Parfait.
Normalement, l'amphithéâtre, je pense que tu peux prendre des. Non, tu peux pas prendre les. Comment ça s'appelle? Tiens, je vais prendre deux infanteries de lanciers auxiliaires d'ailleurs. C'est les auxiliaires, c'est ça, ceux que j'avais tout à l'heure. Mais ça, tu peux pas recruter des gladiateurs avec ce bâtiment? Ah, au niveau 3 seulement, d'accord. Oh, des gladiateurs lanciers, quoi. Enfin, des armées full gladiateurs, c'est marrant. Ah, du coup, il y a des gens qui passent sur YouTube. Salut à toi, Vili, comment vas-tu? T'as loupé la prise de Rome, presque. Ah, d'accord, c'est bien. Mais écoute, tu peux rester sur YouTube, y a pas de souci, quoi. Oui, vous m'entendez? D'accord. Non, je pensais que c'était un bug, du coup, de Twitch, hein. Très bien. Bon, maintenant le plan, c'est qu'il faut. Bah déjà, on va. Le reste de l'Italie, ça va être assez facile, on est une armée dans le sud. Mais il faut qu'on récupère Arensium, et du coup, on aura un mur contre Tetricus qui essaiera d'aller vers Rome. Rome qui est désormais à nous. Et on va vite s'occuper du cas des quads. On pourrait à la limite récupérer Aquicum, et puis rusher directement sur. La cavalerie, ça serait pas mal d'en prendre. Moi, je prends que des mercenaires et des auxiliaires parce qu'avec les Romains, c'est tellement goldé, quoi. Mais ça serait pas mal de défoncer Istros, mais juste de la piller, tu vois. Bon, c'est pas très romain, c'est pas très Charlie, mais. C'est auxiliaire niveau 2, ça serait pas mal. Comment ça se fait que j'en ai dans l'armée, là? J'ai un niveau 2 d'auxiliaire ici? Non. Ah, ici, déjà dans l'armée, peut-être. Non, parce que dans l'armée, ici, j'ai lancé auxiliaire et je sais pas comment j'ai fait pour les recruter, quoi. Il me semblait que j'avais un bâtiment niveau 2. Infanterie de lancier auxiliaire. Non, tu peux déjà les prendre avec le niveau 1. D'accord. Bah alors pourquoi j'en ai pas recruté dans cette armée-ci? Ah, peut-être que c'était trop cher, j'avais pas envie de dépenser trop d'argent. Mais ici non plus, non, il n'y en a pas. Il faudrait vraiment que je prenne les auxiliaires là. Par contre, c'est pas une bonne idée ça. Les mecs là, ils sont pas très forts. C'est un peu des clochards ça. Enfin bref, on verra ça. Quoi qu'il arrive, si je fais une embuscade ici, je les gagne. J'ai énormément de frondeurs parce que je pensais que j'allais me battre contre des caves, mais bon, ça va. Donc là, on est à 2, c'est redescendu à 2. Conseil patricien. Il faut qu'il soit au niveau 2, l'amiral. 18, il est à moins 12. Absolument que je lui fasse des bisous à lui, ça coûte tellement cher. On va éviter de lui donner une armée à lui pour l'instant, ce qui m'aime vraiment pas du tout. Et on va passer le tour. On va passer le tour quand on aura amélioré Baza. Ce que je veux, c'est des magogues. Faire ça pour la culture. Donc oui, il y a du banditisme un peu partout, mais je vous avoue que j'ai besoin de bouffe pour faire les bâtiments. Voilà. C'est encore un peu le début de campagne, hein, de toute façon. C'est un peu compliqué, c'est pas comme avec l'ego, on a pas mal de fric. Hein. Ah. Ah, très bien. Elle est bien, c'est bien. Tu devrais renforcer Patavium. C'est ce que je suis en train de faire. En garnison, hein, bien sûr. Pas en armée. Ah, mais le Schwungboxer, tu peux pas. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs qui font ça dans tout à l'heure et après ils se plaignent. Il faut pas faire des milliards d'armées. Vous savez que il y a des maintenant le problème c'est qu'il y a le truc politique là. Après vous avez plein de factions, toutes ces factions après ils ont des armées, tu payes plus d'entretien en plus et tout. Non, il faut vraiment éviter de rusher les armées. On joue pas Age of Empires. Il faut vraiment voilà rester safe. Ennemi blessé, très bien. Mission accomplie. Donc à l'époque de Quintilus était au pouvoir, Aurélien n'avait que peu de temps. Mais il se permit un détour par l'ouest pour aller à la rencontre du frère de Claude II, le gothique. Détenez les colonies suivantes. Rome, objectif bonus terminé. Ok. Donc maintenant, nouvel objectif. Régnant désormais en maître sur Rome, Aurélien se projeta plus loin. Il voulait étendre son empire. La guerre était loin d'être finie. Elle ne faisait même que commencer. Détenir complètement 10 provinces. Très bien. Festin Mithriac. Donc à Rome, récemment cette province a connu une hausse inattendue de son commerce. Les raisons exactes ne sont pas claires, mais certaines l'attribuent à la présence du mithriadisme, qui commande régulièrement de grandes quantités de nourriture pour leurs banques clandestines. Festin Myriatique, richesse provenant des... Oh là, pas mal ça. Mais du coup, c'est ce bâtiment-là. On va le garder du coup, non? Les choses pendant l'industrie, mais des divertissements. D'accord, c'est vraiment le truc pour faire la fête, quoi. C'est... Voilà, c'est... Voilà.
Salut Rock5, comment vas-tu? Qui est sur YouTube notamment. Ah, ils font une nouvelle armée là. Les Dijoux 6 Rapax. Mais couille, oui. Et on a vu en Sicile aussi, notamment cette armée qui. C'est bien, maintenant on voit où l'entraînement. Parce que moi à l'époque, je savais jamais c'était quoi le truc pour avoir entraînement. Et c'est au fait là, quoi. C'est bien qu'on puisse voir ça maintenant. Creative Assembly a enfin eu un. Une sorte de relan d'ingéniosité, tout à coup, je sais pas, ils se sont réveillés un matin, ils se sont dit, tiens, faisons ça. Alors, moi j'ai bougé ma flotte parce que j'ai l'impression que ces mecs, ils me font une embuscade ici. Ou alors ils sont partis à Cosenza. Dieu seul le sait. Alors bon, Syracuse, est-ce que je la renforce avec une garnison? Normalement, je devrais le faire. Mais la villa du procureur, c'est quand même. Plus important pour l'instant pour le banditisme. Sauf que Syracuse sera une ville commerciale. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'on fait du coup? Parce que Panormos, il faut pas leur laisser la Sicile comme ça. Mais après, moi j'aimerais déjà remonter un peu vers Cosenza. Et j'ai peur que les mecs ils rushent au fait vers. En fait, j'ai peur qu'ils me font une embuscade ici. Donc on va être sûr de les voir. Essayer de les voir quelque part. On a le temps de toute façon. On a le temps, bonne idée, il finira par. Les Quoi ne sont pas encore alliés aux Gaulois. Et le moment d'en finir avant qu'ils ne fassent une alliance. Ben, c'est ça. Les Quoi d'allier avec les Gaulois romains, ça m'étonnerait. On sait jamais. Oui, ben, au début, au fait, les Gaulois sont plus du côté de Tétricus, parce que bon, oui. Enfin, les Gaulois, les Germains. Et les Gaulois aussi. Et lol. C'est bon. Orgie romaine. Les orgies romaines, c'est toujours très bien. The stream is not salty. Le stream is very salty, tu sais. Ça va, on va se saler de façon. Faut pas stresser. Bon. Alors déjà, améliorons tous les trucs politiques là, parce que j'ai peur. J'ai peur de ça là maintenant. Donc lui, on peut pas le promouvoir, donc on va améliorer les relations avec quelqu'un. Ceux qui sont plus puissants, c'est eux après eux. Donc autant commencer par ces mecs-là. Voilà. Et on va juste faire ça. Voilà. Pour le reste, on va récupérer cette ville-ci, vite fait. Parce que les quads, il faut vraiment les affaiblir. Voilà, ils ont même pas de garnison, c'est easy peasy. Et moi, il me faut de la bouffe dans cette région. Hein. Donc, à partir de là, moi, je dis ça, je dis rien. Donc, je pourrais jamais faire la villa du procureur. Et là, ça lui donne 4 de bouffe, ça prend 3. Donc, on va assez rapidement la faire déjà. Parce que la région de la Pannonie est quand même ma région capitale, et j'aimerais qu'elle soit le plus stable possible. Après, ce serait bien de défoncer Istros et de raser cette région. Ah, c'est qu'on peut pas raser comme dans Attila, fait chier. On va faire comme avec les trucs, on va les soumettre, hein, tout simplement. Après, ils sont toujours là pour nous faire chier, mais bon. C'est pas tellement grave. Ici, je suis en embuscade, mais j'ai pas l'impression que les mecs, ils ont l'air de vouloir bouger. On va avancer un tout petit peu. Ah, ils sont là, les quads, d'accord. Ok. Ils ont zéro garnison, et je sais pas combien d'hommes ils ont ici. Je vais prendre un spy, comme j'avais dit. Hein. Coût d'entretien plus unité, armée imparentée, c'est pas mal ça, mais moi, il faut plutôt un bonus de chance de repérer un agent ennemi. Tutulutu, caca pipi, poupou, caca. Alors qu'est-ce que je fais? Lâche ça, allez hop, tac. On y va, ils ont un agent là qui a l'air assez pété, non ça va encore. Ah, si je rush la ville, on n'a pas de nagre, hein, c'est le problème. Ouf, après les murs sont encore un peu détruits, je pense. C'est encore un peu détruit. Donc ça s'est réglé dans ce, ça va encore mieux. Tu parles de quoi du Twitch? L'épargnement de Vigiles te donne des garnisons aussi. Oui. C'est possible, oui, il donne 2 vigiles, c'est vrai. Donc en fait, tu construis que ça parce que c'est le seul truc qui sert à quelque chose. C'est juste que ça t'enlève énormément de nourriture parce que les mecs ils bouffent, hein. C'est des porcs. Hein. C'est des bœufs. Hein. Peut-être qu'il va partir d'Istros, hein. Enfin, d'Istros de Samantégusta, hein. Peut-être. Bon, soyons intelligents maintenant, qu'est-ce qu'il fait lui? Ils font une nouvelle légion. Là, j'ai pas trop besoin de me reconstituer trop longtemps. Lui est toujours en train d'assiéger. Mediolanum, donc on va continuer à l'empoisonner. J'espère qu'elle va réussir. Oh génial.
Ok, nice. Ça les ralentit bien, ça. Et Patavium, dans un tour, aura une garnison digne de ce nom. C'est juste ici, j'ai peur qu'ils me fassent une embuscade ici, que si je vais récupérer Panormus, ils vont récupérer Syracuse. Et à Syracuse, au niveau de la garnison, on n'est pas encore assez opérationnel, quoi. Donc, faut voir. Faut voir. Alors ici, il y a zéro de bouffe, je sais pas pourquoi non plus. Pourquoi il y a zéro de bouffe ici, je sais pas. Ici, il y a deux de bouffe. On devrait améliorer ça plus tard. Alors le jour, ils vont se retourner contre moi, eux. Normalement, ils le feront pas, mais ils me détestent encore, donc bon. C'est normal, hein. Traité avec les Rocs sont en guerre contre les Buries. Ah, pourquoi ils sont en guerre avec les Buries aussi? Allez, je vous écoute. Je vous préviens, je ne supporte pas le faible et les gentils. Ah, mais c'est chiant qu'ils veulent pas rejoindre la guerre contre avec les Buries, là, ça peut être pas mal. Hmm. Ah merde, j'avais pas vu ça. Ils ont une armée de 6 là. Putain, ils vont aller à Sicilia. Oh les chiens. Ça m'énerve, ils ont sorti une armée là de nulle part. Faut que je les poursuive. Faut que je les poursuive, faut que je les poursuive. Bon déjà Noreya, ils peuvent oublier. Parce que Noreya est beaucoup trop renforcée. C'est chiant ça, faut que je les trace. Faut que je les trace en trace. On va passer le tour. Juste à Rome, la garnison elle va mettre du temps à se remettre, hein, de toute façon. On pourrait aller vite faire à Rensio pour encore faire un petit mur contre Tetricus. Parce que Asculum, voilà, le temps qu'il recrute des hommes, ça va prendre un peu de temps. Et moi j'aimerais bien rush. Ouais, ça serait pas mal de récupérer Rensio tout de suite. Putain, la caméra elle est bug. Ils avaient pas mal de garnisons. Hein. Hop là. Alors. Les goûts ont vraiment pas l'air puissants. Non, dans cette campagne-ci, ils sont impuissants. Ah, bah c'est vrai, parce qu'il y avait déjà. Oh, il y a deux bâtiments de garnison ici. Bah, on va les laisser du coup. Ils ont un niveau 2 déjà, les mecs. Du coup, on a moins 6 de bouffe, hein, par contre. Hein. Du coup, la garnison, elle doit être assez pétée, non? Elle est seulement de 8. 2 conscrits romains, 2 vies, 3 vigiles. C'est un peu nul, quoi. Ah, t'as les piqués qu'à partir du niveau 2, d'accord. Ah, mais y a pas de bouffe dans cette région, merde. Alors. Hop, hop, portée déplacement plus 16, putain, mais c'est pété. Parce qu'on a déjà les plus 15 de faction, quoi. On peut se déplacer tellement loin. Ouais, le problème c'est la bouffe. Donc écoutez, moi je préfère avoir des conscrits, donc on va détruire. Mais non, mais du coup je peux recruter des unités plus pétées là. Qu'est-ce que je peux prendre? Des Equites d'Almaterum. Non, eux je peux déjà les prendre. Je prends des cavalières LIR. Ok. Je prends des frondeurs un peu plus forts, des frondeurs de Baleas. Je peux pas prendre d'autres unités, t'as les bretteurs auxiliaires, d'accord. Ok, oui, je sais pas moi. Oh, bah, c'est pour ce que ça rapporte. C'est surtout que ça prend de la bouffe pour rien. Et ça, ça prend pas de bouffe, donc on va le baisser d'un niveau. Ah ben non, on peut pas baisser d'un niveau, on va le détruire, tant pis. Moi j'ai besoin de bouffe dans cette région. Et on va aller à Skouloum après. Hop là. Ok. Toi, tu fais pas de mouvement, non, puisque je te recrute à ce tour-ci. On a moins 11, mais ça, c'est parce qu'on a pris une ville. Ici, on a seulement 1, mais ça, c'est pas grave. Pff, je pourrais prendre la ville ici avec cette armée, comme ça. Mais j'hésite, je suis pas encore tout à fait reconstitué, en plus, là. Et je suis full. Ça aurait été pas mal de prendre un corps des bretteurs germaniques à la place de... Alors, on a besoin pas besoin d'autant de frondeurs, hein. Ah, mais ils sont beaucoup plus forts, les frondeurs des steppes. On va en enlever un, ici, alors. Et on va recruter... Des dasheurs on a, on va reprendre des bretteurs. Voilà, comme ça on a une bonne force de frappe.
Je sais pas ce qu'ils ont comme armée là. Et là, il faut vraiment en empêcher de récupérer Sicia parce que. On va essayer de tenir, mais ça va être compliqué. Bon, on va voir. À voir. Hein. C'est bien, il y a du suspense dans cette campagne, il se passe bien. Alors attendez. Ok, là ça me bouge, là il va là. Les côtes, on s'en fout. Ah, je le savais. C'est des petites racailles, ces mecs. Hein. Des petites racailles, tu vois. Oui, naturellement, le jeu, il dit que j'ai aucune chance, mais. J'ai vraiment aucune chance. C'est... Mais attends, ils ont 3 conscrits. Ah oh, non, ils ont essayé. J'arrive. J'arrive, petit PD. J'arrive. Ah là là, ça me saoule. Et il récupère la ville. Petite merde. Alors, je le savais qu'il allait avoir un coup fourré. Lui m'attaque par là. Ok. Les développeurs qui disent oui, mais les mecs qui sont en Italie sont nuls et tout. Tu parles, ouais, ils ont des armées partout, les mecs. Qu'est-ce que tu racontes? J'aime bien les développeurs au début qui disaient que les mecs, c'est des clodos finis, alors que les défenses, ils ont des mecs partout. Là, par contre, on gagne. Hein, 70, oui, on reste en protection. Oh, mais les mecs, what? Mais ils sont, les prétendants romains, ils sont censés être ultra pourris, quoi. Bon, ok, là, je suis énervé, tu vois. Là, je m'énerve un peu, parce que normalement... Ces mecs, c'est des PD là-bas, c'est des nazes. Ah, je devrais plus dire PD, putain. Excusez-moi. C'est des enculés, voilà. C'est mieux. Ah, oh, et puis merde, je m'en fous. Non, allez. Non, mais après, il y a encore des gens qui vont pleurnicher, ça m'énerve. Non, mais casse-toi, tu m'en fous. Non, là, moi, je veux juste me venger là maintenant, hein. Cassez-vous. J'ai plus envie de parler à personne, moi. Ah, ben voilà, ils viennent tout seuls, comme des grands. Eux, au moins, ils viennent se battre, quoi. À quoi commence ça, les Garamantes? Qu'est-ce qui s'est passé avec les Garamantes? On s'en fout. Allez, messieurs, préparez-vous à mourir. Merci, bande de chiens. Voilà, hein, j'ai même pas besoin de la faire parce que vous êtes tellement des victimes que je vous marcher dessus de toute façon. Voilà, cassez-vous. Salut, le petit gros. Voilà, très bien. Voilà, ils ont tout cassé. Hein. Regardez-moi ces fils de pute. Hein. Voilà, ils ont tout cassé. C'est bien, c'est des Romains, c'est des vrais Romains, ça. Hein. Les mecs, ils cassent tout. Quelle bande de salopes. Hein. Alors, du coup, je vais prendre ça plutôt. Les mecs, ils cassent tout. Et ils s'en foutent. Du coup, on va faire d'autres bâtiments. Et les mecs, ils ont une flotte, là. Mais d'où ils sortent? Les mecs, ils sortent de leur cul. Une flotte de nulle part. Alors, Syracuse, allô, oui. Bâtiment d'hygiène, s'il vous plaît. Oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici aussi? Alors oui, bon, ils ont attaqué cette ville, c'est pas grave. J'ai pas de bouffe, donc il me faut de la bouffe. Très bien. Bon, lui, il a récupéré Mediolanum, il est en train de puer le caca, parce que je l'ai empoisonné 10 fois. Patavium, ça va être difficile de tenir avec 6 trucs, mais bon... Hein. C'est étoilé. Non, mais je me saoule d'utiliser ce mot-là. Je sais pas pourquoi. J'ai toujours peur que ça blesse des gens. J'ai pas envie de blesser les gens. Et surtout que c'est le jeu aussi. C'est l'IA que je gueule. Hein. Je gueule pas sur les viewers. Mais c'est juste... Il y a des mots qui choquent chez certaines personnes. Ah, c'est chiant, Internet. Tu peux plus rien dire. En même temps, tu peux tout dire et rien dire, quoi. Alors, eux, ils sont très cons. Parce que, du coup, j'ai bien fait de les attirer. Là, bizarrement... Oh, ils ont des piquets, les rats. Écoutez, on va récupérer cette ville. Maintenant. Parce qu'ils n'ont pas de garnison dedans. Donc déjà, c'est gratuit. Il a gagné un rang. Ils ont tout cassé, hein, c'est sauvage. C'est de sauvageon. Bah donc, le mystératique, ça me plaît, en fin de compte. On va le garder. C'est des barbares. Tiens, on va faire ça. Voilà, puis moi, je vais direct partir vers... les autres territoires. C'est trop bien au fait qu'on est soumis au fait les Roxolans, parce que du coup on se retrouve avec des frondeurs super puissants, super forts. Bon, par contre ils ont un stack là, full frondeur bien sûr, hein, très original. Si je prends encore 2 hacheurs, je peux les doser, non? En vrai, qu'est-ce que vous en dites?
sorte de piècheur comme ça. J'aurais pas l'argent pour les prendre, je pense, peut-être. Merde, j'ai pas assez de thunes pour prendre les deux, quoi. Chier. Qu'est-ce qu'on fait ici? Autre question aussi. Ah, il y a plein de gens qui parlent maintenant sur YouTube. Tiens, je sais pas si on devait te demander, mais tu as vu le trait de chaque chef de parti? Oui, bien évidemment, j'ai déjà vu ça. Mais ça change rien après, les mecs. C'est la première chose que j'ai regardé. Mais normalement, ils devraient m'aimer parce que j'ai défoncé pas mal de barbares. 8 moins 11, donc ça remonte un peu. C'est bien. Mais je peux pas améliorer tous les trucs de tout le monde parce que le problème, c'est que. Lui, je peux le promouvoir à la limite. Ouais, mais ça sert à rien. J'aimerais même pouvoir ce mec-là, mais le problème, c'est qu'il a pas assez de rang. Et on va rajouter le moral pour ce mec. Voilà, on peut leur rajouter des choses, mais là ça va, hein, c'est assez potable, on va dire. Mais c'est quand d'ailleurs que. D'ailleurs, oui, j'ai pas un truc à dire maintenant. Pour répondre à un commentaire de quelqu'un qui l'avait mis sur la VOD, c'est que moi j'aimerais bien, oui, redonner la Rome d'antan. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va passer en République. J'ai envie de faire la République romaine, au fait. Je vous l'avais pas dit, ça. Hein.